Votre rendez-vous sport dans la matinale, c'est avec Mamar Djebbour. Bonjour Mamar. Bonjour. Nos boxeurs qualifiés au JO viennent de rentrer de Dakar. 5 boxeurs, je le dis, filles et 2 garçons qui ont réussi à décrocher le ticket, hein, le billet, le fameux sésame leur permettant d'aller aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Alors, pourquoi la boxe? La boxe sera l'une des disciplines, notez bien ce qu'on dit aujourd'hui, ce sera l'une des disciplines qui va nous valoir des satisfactions comme c'était le cas en 1984 avec les 2 premières médailles algériennes en, aux Jeux Olympiques, c'était Zawi et Moussa. Depuis, il y a eu Soltani Lairahmou, il y a eu également d'autres boxeurs qui se sont distingués aux Jeux Olympiques. Mais cette fournée, eh bien également, va nous valoir des satisfactions. Sans plus tarder, on retrouve Ali Hamouche, nos boxeurs qui viennent de rentrer de Dakar, comme vous l'aviez annoncé. Ali Hamouche, bonjour. Bonjour, Mamar. Effectivement, c'est avec une demi-heure de retard que le vol à bord duquel se trouve la délégation algérienne de boxe a atterri au niveau de l'aéroport international d'Alger en provenance de Dakar où s'est déroulé bien évidemment le tournoi pré-qualificatif pour les Jeux Olympiques de 2024. Un tournoi réussi sur tous les plans par nos boxeurs puisque l'Algérie a terminé en tête du podium avec 9 médailles dont 4 en or grâce à Roumaïs Abou-Alem, Iman Khalif, notre vice-championne du monde, Jugurta Aitbaqa et Mourad Qadi, et avec 5 tickets qualificatifs pour les JO de Paris, les médailles d'or, plus Hajila Khalif, qui a remporté une médaille d'argent. Donc l'Algérie qui a réussi ce tournoi, comme l'ont souligné les responsables de la boxe algérienne à travers leur déclaration tout au long de cette compétition. Merci Ali Hamouche, on les a accompagnés avant, pendant et après. On vous retrouvera dans l'édition de 12h30 sur le retour de nos boxeurs à partir de Dakar avec 5 tickets, je le rappelle, pour les Jeux Olympiques qui auront lieu à Paris. Eh bien 7h22, ça va parler sport, plus précisément de football, et il y a beaucoup à dire ce matin. Le football, rappelons tout d'abord ce sacre continental, vainqueur de la Supercoupe d'Afrique, l'USMA d'Alger qui a battu le géant africain, le El Ahly du Caire, la meilleure équipe africaine de tous les temps, 1-0. C'était suffisant pour gagner le trophée, un deuxième trophée après la Coupe de la Confédération africaine de football. Je rappelle que l'USMA d'Alger, les joueurs de l'USMA d'Alger, la délégation rentre aujourd'hui aux alentours de 18h en provenance d'Arabie Saoudite. Le football, c'est la Ligue 1 avec la première journée. Le Mouloudia d'Alger XXXL a frappé très fort face au nouveau promu Ben Aknoun en s'imposant 4-0 avec un Belaïli qui a été passeur, qui a été buteur. La performance de Belaïli a été scrutée. Eh bien hier pour la première journée, il a répondu présent face à la sympathique formation de Ben Aknoun. Le Bayazid en provenance de Khanchla a marqué à la 10e minute. Le deuxième but, lui, il va rester comme l'un des plus beaux buts de la saison. Retenez bien, c'est le but de Ben Khamessa avec une super frappe, bien équilibrée, reprise, pleine lucarne, 2-0. Troisième but également signé Belaïli. Et puis il y a eu le quatrième but qui était anecdotique puisque c'était Merzougi, l'entrant, qui venait de marquer ce quatrième but. Sur ce score et cette victoire, on écoute l'entraîneur du Mouloudia d'Alger, Patrice Baumel. Il est au micro d'Ali Hamouche. Je suis très satisfait du résultat et de la manière. Ça aurait pu être un match piège face à cette belle équipe de Ben Aknoun. On est dans la continuité du travail de la saison dernière, à savoir une défense solide. Le gros chantier pour moi était de pouvoir recruter et travailler offensivement. Et on voit que les automatismes offensivement avec toutes ces recrues, c'est en train d'être dans la continuité de nos matchs amicaux. J'ai eu l'impression sur ce match que cette équipe se connaissait très très bien, beaucoup d'automatisme. L'avantage que j'ai pu avoir, c'est que je me suis appuyé sur l'effectif de la saison dernière. Les recrues, certains, je les avais eus en Côte d'Ivoire. D'autres, sur des joueurs de génie comme Belaïli, qui est imprévisible. Après, ne pas s'enflammer, c'est un match d'ouverture, mais c'est très bon pour la confiance. Patrice Baumel, l'entraîneur du Mouloudia d'Alger, la JSK, a également réussi son entame de saison en s'imposant 1-0 face à Magra, but signé Bouhanchouch à la 44e minute de jeu. Je rappelle que la première journée avait débuté vendredi. Khanchla, superbe équipe de Khanchla. Il faudra suivre Khanchla cette saison, qui s'est imposé sur le score d'un but à 0 lors de cette première journée. Elle a battu l'entente de Sétif et a eu la victoire d'Albayed devant le CS Constantine, 1-0, alors que l'AS Auchlef a pris le meilleur sur le MCO, 2-0. Aujourd'hui,
un match, mettant aux prises la JS Saoura à l'US Biskra pour compléter cette première journée du championnat de Ligue 1. Je rappelle que deux matchs ont été reportés, le match de l'USMA d'Alger et du Chabab Riazi de Belouizdad. L'enchaînement est tout de suite fait puisque le CRB jouera aujourd'hui son deuxième tour de la Champions League africaine face aux représentants du Sierra Leone. Sur ce match, on écoute l'entraîneur. Alors il est compliqué le nom à prononcer, l'entraîneur belge du Chabab Riazi de Belouizdad. Alors on va dire Sven. C'est une préparation qui se fait depuis quelques semaines. Maintenant, les derniers réglages, c'est plutôt s'adapter à la chaleur et surtout l'humidité qui sera très haute. Il y a encore un travail, mais je suis assez convaincu pour faire une bonne image et une bonne performance et même un bon score là-bas à Sierra Leone. Sven van den Broek, voilà, c'est l'entraîneur belge de cette équipe. Je rappelle que la formation du Bo Rangers avait déjà joué contre le CRB la saison dernière. C'est un trio nigérian qui a été désigné pour diriger cette rencontre. Également du rugby, notre 7 national n'ira pas aux Jeux Olympiques. C'est pas du handball, c'est du rugby à 7 battu lors du tournoi qualificatif par l'Ouganda, le Burkina et le Zimbabwe. Et puis en sport équestre, c'est Zohair Remedi qui a été élu nouveau président de la Fédération algérienne de sport équestre. L'Assemblée générale s'est tenue hier à Alger. Il a obtenu 30 voix contre 10 pour Benchikhane Tajeddine. Un mot. Le tour d'horizon des championnats étrangers, on commencera avec l'Angleterre 5-5 pour Manchester City. Vainqueur de West Ham après avoir été mené au score 3-1. À retenir également qu'à Wolverhampton s'est incliné à domicile, battu par Liverpool 3-1 après avoir été mené 1-0. Rien ne va plus du côté de Manchester United, 3e défaite de la saison, battu cette fois-ci par Brighton sur le score de 3-0. C'est pour vous dire que 3-1, pardon. Et puis on retiendra également qu'en Italie, quel match en Italie, le derby milanais qui a vu la victoire de l'Inter 5-1 devant le Milan AC. Superbe rencontre. Et on retiendra qu'au cours de cette journée que le Paris Saint-Germain a été battu à domicile par le club le plus algérien du championnat français, Nice, sur le score de 3-2. Eh bien, merci beaucoup, Mahamad Djebbol. On vous retrouve dès demain matin dans la matinale, 7h26.